Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo dans le chapitre 4 sur les intégrales impropres. Dernière vidéo, on avait vu qu'il y avait deux types d'intégrales impropres. On avait vu que l'intégrale impropre, c'était le premier type s'il y a une discontinuité dans un intervalle. C'est les cas qu'on a traités dans la vidéo précédente. Et l'autre cas qu'on va faire dans cette vidéo-ci, c'est au moins une borne est soit moins l'infini ou l'infini. Okay, maintenant, on va étudier le cas qui nous intéresse, l'intégrale impropre avec au moins une borne infinie. Fait, une borne infinie, il y a trois manières où la borne infinie peut être. Première possibilité, c'est que ça commence à moins l'infini. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est la même idée que dans la vidéo précédente, on va faire une limite, mais au lieu de faire tendre la limite vers cette valeur-là, on va faire tendre la limite vers moins l'infini. C'est pas une valeur, c'est une tendance vers des nombres très très négatifs. Si la borne est infinie, même idée, on va remplacer la borne par une limite. On fait tendre une variable vers l'infini. On fait tendre la valeur. Si ça converge, cette limite-là existe, on va dire que l'intégrale a du sens. Sinon, si ça ne donne pas un réel ou si ça donne l'infini ou moins l'infini, on va dire que l'intégrale va diverger, évidemment. Si les deux bornes sont infinies, c'est un peu plus compliqué. Il faut couper l'intégrale en deux. On ne peut pas faire une limite symétrique. Encore une fois, ça peut qu'il y ait un petit peu comme dans l'idée dans la vidéo précédente, si la moitié est infinie, même si la moitié est moins infinie, il ne faut pas qu'il s'annule. C'est pour ça que si on le traite avec une seule variable, on ne sait pas comment ça va se passer à l'infini. Ils n'ont pas nécessairement la même tendance vers l'infini ou vers moins l'infini. Pour ça, c'est toujours important de la séparer en deux. Habituellement, si n'importe quelle série fonctionne, vous avez vraiment le choix du C que vous voulez. J'ai jamais vu un cas où c'était pas plus simple de faire par zéro. Mais conceptuellement, ça peut être n'importe quelle valeur. Fait, si j'ai une intégrale de moins l'infini à l'infini, je calcule deux intégrales. Une de moins l'infini à une constante, l'autre de la constante à l'infini. Mais encore une fois, au lieu de calculer vers l'infini, on calcule à partir d'une variable m qui tend vers moins l'infini et un grand m qui tend vers l'infini. Encore une fois, si cette intégrale-là donne des limites, une limite qui existe et donne un réel, on va dire que l'intégrale converge. Si une de ces limites donne l'infini n'existe pas, on va dire que l'intégrale diverge. Pour ça, puis faites attention, comme même idée, si ici vaut plus l'infini, ici vaut moins l'infini, on ne peut pas les annuler, ces deux limites séparément. Dès qu'une limite donne l'infini, on va dire que l'intégrale diverge. Fait, je vais faire deux exemples avec vous. Premier exemple, c'est l'intégrale de e à l'infini de dx sur x ln dx. Et la deuxième, c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de dx sur 9 plus 4x2. Fait, j'y vais avec celle-ci. J'ai un quotient, au dénominateur, j'ai un produit. Qu'est-ce que je fais avec ça? Si par partie, ça a l'air un peu lourd parce que c'est au dénominateur. Par contre, je remarque que 1 sur x, la dérivée de ln de x, fait que le changement de variable devrait bien se faire. Fait, c'est l'idée que je vais faire, mais avant, on voit que j'ai une borne qui est infinie. Fait que je ne peux pas la calculer directement. Il faut que je calcule par une limite. Le côté notation rigueur, c'est vraiment important de mettre limite. Ah, je vais donc juste la faire à l'infini. Enfin, je remplace par l'infini, puis là, je l'évalue. Non, on ne peut pas faire ça. L'infini, ce n'est pas un nombre. Tout le théorème fondamental des choses, on le fait avec des nombres. Le grand M, c'est un nombre qui tend vers l'infini, mais ce n'est pas l'infini. C'est pour ça que le théorème fondamental a du sens avec un grand nombre, mais n'a pas de sens avec l'infini. C'est pour ça que c'est important, au niveau rigueur, de toujours mettre une limite. Fait que si je mets ma limite, quand grand M tend à l'infini, puis je choisis la lettre que vous voulez, puis je vous mets alpha, bêta, j'ai pris grand M comme dans le manuel, que j'évalue ceci. L'idée, c'était le changement de variable que j'avais dit précédemment. Fait, je pose le U égale ln de x, le du est dx sur x. Fait, je peux tout remplacer, mais je remplace mes bornes ici. Fait, si le x vaut e, fait, le ln de e, ça vaut 1. Si x vaut grand M, alors le U vaut ln de m. Il ne faut pas évaluer la limite tout de suite, il faut juste laisser ln de m. Et je vais l'évaluer à la toute fin, la valeur de m. Fait, je remplace cette intégrale-là, vaut la limite quand m tend vers l'infini de 1 à ln de m du sur u. Fait, je prends le théorème fondamental, la primitive de 1 sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Le théorème fondamental dit que la primitive me donne l'aire sous la courbe, qu'il faut que j'évalue en ln de m et en 1. Fait, je remplace et je soustrais, ça fait la limite quand m tend vers l'infini de ln de m moins ln de 1. ln de 1, c'est 0, ça va bien. Mais ln de grand m, quand grand m tend vers l'infini, ln de l'infini, c'est une fonction qui croît très lentement, mais elle croît vers l'infini. Puis même si tu reprends un autre ln après, ça va encore croître vers l'infini, mais très, très lentement. Mais ça diverge. Ça tend vers l'infini, cette intégrale-là diverge. Ça se rend à l'infini, ça a quand même
du sens que l'aire totale soit l'infini. On a une intégrale qui diverge. Ici, j'ai un autre exemple. Ici, c'est un exemple de moins l'infini à l'infini. Il va falloir que je la coupe en deux. Ici, 9 plus 4x2, je ne l'ai pas directement dans mes tables. J'ai un petit peu de travail à faire. Je vais faire l'intégrale indéfinie en premier. Je trouve la primitive, ensuite je vais la couper en deux. Puis une fois que je vais avoir la primitive, je n'aurai pas besoin de doubler le calcul. Je vais juste la faire une fois ici. Fait ici, la première idée que je vois, c'est pas si facile que ça. Je ne l'ai pas en mettant, mais elle me fait penser à la primitive de arctangent. Mais je vois que je parle des multiplications, changement de variable, peut-être de quoi que je peux faire. Sinon, je suis pas mal coincé. Mais ici, la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x2. Ici, j'ai comme un 9 et un 4 de trop. Fait le 9, je pourrais juste mettre un 1 neuvième en évidence. Mais si je mets le 1 neuvième en évidence, ici, j'obtiens le 1 comme la dérivée d'arctangente. Mais ici, j'obtiens 4x carré sur 9. Mais 4x carré sur 9, c'est un carré parfait. Même si les constantes n'étaient pas des carrés, j'aurais pu dire que c'est un carré parfait, tant que c'était positif. Effectivement, 4x carré sur 9, c'est 2x sur 3 au carré. Fait ici, je reconnais vraiment la forme de la dérivée d'arctangente qui est 1 plus x2. Si c'est pas un x, c'est un 2x plus 3. Je peux faire un changement de variable, je peux le faire en u, ainsi de suite. Mais quand on a un changement de variable, que c'est juste une fonction affine, une droite, on peut le faire directement et diviser par la pente de la droite. C'est ce que j'ai fait ici. Si vous voulez faire un changement de variable, faites-le. Mais ça donne 1 neuvième arctangente de u qui est 2x sur 3 et je divise par la pente étant 2 tiers plus ma constante. Fait ici, j'ai comme des fractions étages, je ramène ça. Divisé par 2 tiers, c'est comme divisé par 3 demi. 3 demi fois 1 neuvième, ça fait 1 sixième. J'obtiens que la primitive de 1 sur 9 plus 4x2, c'est 1 sixième arctangente de 2x sur 3, plus une constante. Fait j'ai trouvé la primitive. Fait que maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à mon intégrale impropre, puisqu'il y a deux bornes infinies. Dès qu'il y en avait une, c'était une intégrale impropre. Fait que ici, je coupe mon intégrale en deux. Comme je dis, il n'y a pas meilleur, vraiment meilleur choix que la couper en zéro. Fait que je fais une limite de petit m qui tend vers moins l'infini de l'intégrale de m jusqu'à 0 de la fonction. Ensuite, je prends une autre limite de grand m qui tend à l'infini de 0 à grand m. Fait que ici, c'est juste des nombres. Fait que je peux appliquer mon théorème fondamental qui dit une intégrale définie, tu la calcules à l'aide de la primitive que j'ai obtenue. Fait que si la primitive, je vais l'évaluer en 0 petit m. Si la primitive, je vais l'évaluer en grand m puis 0. C'est ce que j'ai fait l'étape d'après. J'ai remplacé le x par 0. J'ai remplacé le x par petit m. Dans la deuxième, j'ai remplacé le petit x par grand M et j'ai remplacé le petit x par 0. Arctangente de 0, c'est 0. Fait ici, les termes-là disparaissent. Ensuite, il me reste l'arctangente de 2 moins l'infini sur 3. Ici, si vous ne connaissez pas, si vous connaissez votre graphe d'arctangente, mais la limite d'arctangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2 et la limite d'arctangente vers l'infini, ou 2 tiers fois l'infini, c'est la même chose, c'est pi sur 2. Si on sait que la tangente d'un angle droit, c'est comme une pente super, super élevée, c'est pour ça que quand on se rapproche de pi sur 2, ça tend vers l'infini. Fait que plus l'infini, c'est de quoi qui arrive à pi sur 2, puis l'autre, c'est négatif, le sens l'autre sens, on change de quadrant, c'est pour ça que c'est moins pi sur 2. Fait qu'ici, j'ai toujours le 1 sixième devant. Je simplifie et ça me donne. Ça fait moins, moins. Ça fait un plus, ça fait pi sur 12 plus pi sur 12, ça fait pi sur 6. J'ai réussi à calculer. Si je partais de moins à l'infini, j'ai toujours de quoi de positif. Et ça vaut pi sur 6. C'est quand même étrange. Ici, j'ai fait le graphe, ça fait une belle cloche. Ici, on voit que j'ai quand même grossi beaucoup l'échelle. Ici, tu vois, c'est un dixième. Mais si je vais jusqu'à l'infini, puis jusqu'à l'infini, c'est comme une surface de pi sur 6, de l'ordre de peut-être un peu plus que 0,5. Mais même si je me rends à l'infini des deux côtés, la surface, la quantité de peinture que j'aurai besoin pour colorier sous la courbe, elle va être finie. Même si ça va me prendre un temps infini, peut-être me rendre jusqu'au bout, mais la quantité de peinture nécessaire pour colorier en dessous de la courbe jusqu'à l'infini puis moins l'infini est limitée à pi sur 6. C'était ça l'idée. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je vous laisse ces deux exercices-là. L'intégrale de 1 à l'infini de dx sur x à la p. Ici, p, j'ai un paramètre. Je vous laisse travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec le p, tout ça. Et le deuxième exercice, l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur 3x moins 1 au carré dx. C'est encore des petites subtilités.
puis je vais vous faire une petite parenthèse avec les résultats qu'on va obtenir. Fait, je vous laisse essayer ces exercices-ci. Moi, je vais les solutionner dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je regarde le premier exercice que vous aviez à faire, c'était l'intégrale de 1 à l'infini de dx sur x à la p, p étant un paramètre. On va faire cette intégrale-là, puis tout dépendant des valeurs de p, on trouvera des valeurs différentes. Fait, j'ai une borne qui est infinie, fait, il faut que je remplace la borne infinie par un nombre m que je vais faire tendre vers l'infini. Et j'écris x à la moins p pour que ce soit plus facile à trouver la primitive. Fait, ici, la primitive d'x à la moins p, c'est comme on a une formule de base. Fait, c'est tout simplement x à la moins p plus 1, puis on augmente l'exposant de 1, puis on divise par le nouvel exposant qui est moins p plus 1. Il faut juste faire attention, ici la formule fonctionne si le p est différent de 1. Nous, d'habitude, ça est différent de moins 1, mais comme c'est déjà moins p, c'est différent de 1. Ici, on voit que si le p égale 1, on a une division par 0, évidemment, on aura un problème. Fait que j'ai trouvé ma primitive, il me reste à remplacer par grand M puis par 1. Fait que je remplace le x par grand M, je remplace le x par 1. Ici, moins 1 exposant moins p plus 1, ça vaut juste 1 sur moins p plus 1. Ici, il faut que j'évalue cette limite-là. C'est l'infini exposant quelque chose. C'est sûr qu'on a la tendance à dire infini exposant quelque chose, ça donne l'infini, mais ça dépend c'est quoi le quelque chose. Si l'exposant est positif comme 2, 3, 4, c'est sûr que ça va être l'infini. Même si l'exposant est positif fractionnaire, une demi, un tiers, racine carrée de l'infini, racine cubique de l'infini, ça reste l'infini. Fait, si l'exposant est plus grand que 0, ça donne l'infini. Par contre, s'il est plus petit que 0, alors c'est comme si on divise par l'infini puis ça va obtenir 0. Dans quel cas que c'est plus petit que 0? C'est dans le cas où que le p va être strictement plus petit que 1. Et quand p va être plus grand que 1, ici il ne peut pas être égal à 1 puisqu'on l'a déjà éliminé, alors ça va diverger. C'est pour ça qu'on divise le cas en deux. On va avoir une convergence dans le cas que le p est plus grand que 1 puisque l'exposant va être négatif. C'est comme si on divisait par l'infini. Et ça va tendre vers 0, mais juste ce terme-là qui vaut 1 sur p moins 1. Ici, à cause du signe moins, les signes changent. Et comme j'ai dit, si la valeur de p est plus petite que 1, donc ici, ça va devenir un exposant positif. Si l'exposant est positif, alors ça va tendre vers l'infini, on va diverger. Fait qu'on a géré tous les cas de p plus grand que 1, plus petit que 1, mais il reste juste à gérer le cas de p égale 1. Fait que je le fais dans l'autre colonne. Je remplace le p par 1, fait qu'il me reste simplement la limite quand grand M tend à l'infini de l'intégrale de 1 à grand M dx sur x. La primitive, c'est ln de valeur absolue de x. Fait que je prends mon théorème fondamental. L'aire sous la courbe-là peut s'évaluer par cette valeur-ci. Je remplace par grand M, je remplace par 1, je fais tendre le M vers l'infini. Ln de 1, c'est 0, mais ln de une valeur qui tend vers l'infini, ça va tendre vers l'infini. Ça diverge aussi. On a fait tous les cas. Plus grand que 1, ça converge vers ça. Égal à 1, ça diverge. Plus petit qu'1, ça diverge. Fait que je simplifie cette idée-là. Cette intégrale-là vaut cette valeur-ci si p est strictement plus grand que 1 et elle va diverger si le p est plus petit ou égal à 1. Fait ici, on l'a fait dans un cas général. Ces valeurs-là, parler de convergence et de divergence, je ne sais pas si ça vous fait un lien, mais moi, ça me fait penser beaucoup aux séries. Je me permets de faire une petite parenthèse. On se rappelle qu'une série, si on additionne des nombres, fait, les nombres, on peut les représenter par des rectangles. Ici, j'ai fait la fonction 1 sur x à la p avec le p, cette valeur-ci, et j'ai fait des rectangles de cette hauteur-là. Fait qu'on fait une sommation de 1 sur k à la p ou 1 sur x à la p, on obtient ces rectangles-là. Fait, si on veut savoir si la série converge, si la somme de ces rectangles-là vaut réel ou non, on a pu développer plein plein d'outils pour développer si les sommations convergeaient ou non. Mais il y a un outil que je vous ai parlé rapidement, puis je vais en parler un petit peu plus maintenant, c'était le critère d'intégrale. Le critère d'intégrale nous dit que si l'équivalent de la série en remplaçant le k par x converge, alors la série converge. Ici, remplaçant la série par k, on le remplace par x et on obtient une intégrale qui tend vers une intégrale avec une borne infinie. Si elle diverge, alors la série diverge aussi. Fait qu'on avait le critère des séries P. On voit que c'est encore le même P qu'on fait. Le critère des séries P nous disait si le P est plus grand que 1. Fait qu'ici, je mets un P plus grand que 1, 1.5, 1.7. Fait ici, ça représente la série de 1 sur K à la P. Toute la somme de ces rectangles-là, je dis que ça converge. C'est quoi l'idée? On sait que cette intégrale-là converge,
et les rectangles, on voit qu'ils sont plus petits que la fonction. C'est comme des trous. Fait que l'aire d'intégrale qu'on vient de calculer converge, fait que la somme des rectangles, comme c'est plus petit que la courbe, converge aussi. Fait que c'est ça le critère d'intégrale. Fait que si les rectangles, en les plaçant en dessous de notre courbe, ils vont converger aussi. Si le P est égal à 1, mais ça qui est bizarre, ici ça converge, ici ça diverge. Fait que c'est quand même, ouf, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ils sont un petit peu plus grands, mais c'est assez pour dire que ça diverge. Parce qu'ici, on a calculé et la limite diverge. Mais disons, mais les rectangles sont plus petits. Mais l'idée, c'est qu'on va juste faire une translation. J'ai pris mes rectangles. On voit qu'ici, mes rectangles sont plus grands que ma courbe. Ici, en calculant cette intégrale-ci, on a obtenu de quoi qui divergeait, qui tendait vers l'infini. Fait que nécessairement, mes rectangles, qui sont, juste en faisant une petite translation, sont plus grands que la courbe. Fait ma série correspondante va diverger. C'est pour ça que si l'intégrale converge, on est capable de placer nos rectangles sous la fonction. L'aire de mes rectangles est plus petite, puis la série va converger. Si on voit différentes valeurs de P. Et même chose, si on juste à placer nos rectangles dans l'autre sens, si l'intégrale converge et que nos rectangles, on est capable de les placer sous la courbe, on va dire que la série converge. C'était le critère qu'on n'a pas vu, puis ça nous permettait de démontrer les séries P qu'on n'avait pas démontrées au début, mais l'idée de la démonstration des séries P, c'est vraiment cette idée-ci de comparer avec les intégrales. Et si l'intégrale converge, la série converge. Si l'intégrale diverge, la série diverge. Et on obtenait le critère des séries P, qui étaient les mêmes critères qu'ici. Ça convergeait si le P était plus grand qu'un et divergeait si le P était plus petit qu'un. Puis peu importe les fractions qu'on a. Fait que c'était ça l'idée qu'on avait vue au début de la session. Il nous restait un exercice à faire. Fait que c'était cette fonction-ci. Ici, on regarde, j'ai une division. Est-ce que j'ai une discontinuité? Oui, j'ai une discontinuité à un tiers. Fait, faut que je coupe mon intégrale à un tiers. Fait que je fais une limite à gauche d'un tiers, à droite d'un tiers, puis il faut que je fasse une autre limite à l'infini. Fait que j'ai pas le choix de séparer en trois intégrales. De 0 à un tiers, de un tiers à quelque chose et de quelque chose à l'infini. Parce que faut pas que j'aie deux limites à la même fonction. C'est comme trop compliqué à gérer. Fait que je veux vraiment gérer une seule limite par intégrale. C'est comme ça qu'on va pouvoir étudier la convergence de la chose. Donc ici, il ne fallait pas oublier qu'on avait une divergence. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. S'il y a une discontinuité, il faut faire la limite avant et après. Fait que je coupe mon intégrale comme ça pour me retrouver dans le cas avec une discontinuité à la borne supérieure, discontinuité à la borne inférieure et une borne infinie. Fait chacune de ces intégrales-là, je les remplace par des limites. Fait ici, je les sépare en trois limites. Ici, j'arrête juste avant un tiers. Ici, je repars juste après un tiers. Et ici, je vais aussi loin que je veux. Je fais tendre ma valeur vers l'infini. J'ai comme trois intégrales avec des limites associées parce qu'il y a toujours des valeurs indéterminées à une extrémité. Fait ici, ce n'était pas une intégrale qui était difficile. Je ne l'avais pas calculée d'avance. C'est 1 sur u carré avec le u, une fonction affine, une fonction l'équivalent d'une droite. On a déjà divisé par la pente de la droite. Fait que ça fait moins 1 sur. Ici, l'exposant est moins 2. Ça fait l'exposant devient moins 1. Fait 1 sur. Je divise par l'exposant qui est moins 1. C'est comme multiplié par moins 1. Et je divise par la pente de la droite qui est 3. C'est pour ça que la primitive de ça, si vous avez fait le chemin de variable au long, c'est parfait, mais c'est obtenu la même primitive que moi. Fait j'obtiens cette primitive-là que j'ai évaluée entre bêta et 0. Ici, j'obtiens cette primitive-là que j'ai évaluée entre 1 et alpha. Ici, j'obtiens cette primitive-là que j'ai évaluée entre grand M et 1. Fait je remplace. Ici, c'est long. Fait que je remplaçais le x par bêta, le x par 0, dans cette limite-ci. Dans l'autre limite, je le remplace par 1, je le remplace par alpha, puis dans l'autre limite, je le remplace par m et je le remplace par 1. Fait qu'ici, c'est des valeurs qui se calculent bien. J'ai fait les calculs, ça donne 1 tiers, ça donne moins 1 24e, puis ça donne 1 sixième. Par contre, il me reste des bêta, des alpha et des grands m. Ici, on voit que moins 1 sur l'infini, ça va tendre vers 0. Fait ici, j'ai un bout qui converge. Ici, je remplace le alpha par 1 tiers. Ça fait 9 fois 1 tiers, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Ici, c'est 1 tiers plus. C'est un petit peu plus grand que 3. 3 moins 3, ça va donner 0 plus. 1 divisé par 0 plus. Ici, ça va tendre vers plus l'infini. Dès que j'en ai une des trois qui donne l'infini ou moins l'infini, ça diverge. Ici, c'est un peu la même idée. Ici, j'ai 1 tiers. Fait que 9 fois 1 tiers, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Quand je divise par 0, ça fait l'infini. Il faut juste si on peut regarder les signes. Donc ici, je suis un petit peu en dessous d'un tiers. Ça fait 9 fois 1 tiers, je suis un petit peu en dessous de 3. 3 moins 3, ça va donner
comme 0 moins, moins 1 divisé par 0 moins, ça fait l'infini. Puis ici, j'ai une valeur infinie, j'ai une valeur infinie, ici j'ai une valeur réelle qui est un sixième, mais dès qu'un des trois est infini, concluait que l'intégrale diverge. Puis je disais l'infini, l'infini, un sixième, l'intégrale diverge. Je vous montre le graphe. Ici, comme je dis, on a coupé à un tiers. Ici, tu vois que ça monte. Tu vois que l'écart est quand même assez grand, puis ça monte jusqu'à l'infini. Fait que ici, cette partie à gauche d'un tiers diverge, cette partie à droite d'un tiers diverge, mais à partir de 1 jusqu'à l'infini, on voit que c'est très plat et cette partie-là converge. Fait que ça fait le tour de la section 4.3. Ça fait la fin du chapitre 4 et la fin de les intégrales impropres. Et je vous laisse vous pratiquer, faire vos exercices. Bon travail à tous!